Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition de votre émission Les Grandes Lignes. Immersion au cœur de l'Inde dans ce numéro avec la rétrospective de l'exposition Indianalogue de Keivan Kadinouche qui se tenait au Kodan Art Center au Playground du 19 avril au 1er mai 2024. 26 clichés en noir et blanc capturés en argentique racontaient une vision unique de l'Inde profonde. 26 tirages pour parler également de la rencontre à travers la lentille entre un homme et l'âme d'un sous-continent, son peuple et la vie qui passe. La beauté intemporelle et la complexité de l'Inde en noir et blanc et en analogique tout de suite. Alors Keivan Kadinouche, cause-moi de Indianalogue, voilà ce projet-là, comment il prend naissance et comment il arrive peut-être voilà, à son aboutissement. Alors Indianalogue, c'est un projet qui prend naissance à peu près 3 ans d'ici là. C'est un projet qui prend naissance, une rencontre, au fait, nous sommes en période Covid. Donc tout le monde frontière est fermée, je ne suis pas capable de voyager, donc ben, forcément, vous cause avec mon voisin. Et là, nous avons un Indien qui travaille pour Basu Foundation, donc nous nous sympathisons. Et il dit évidemment, ben, laisse-moi que tu aies tout mon travail qui te fait, etc. Donc il a bien apprécié mon travail et ma vision de l'île Maurice. Et il dit à moi, ben, tu vous maries, c'est ici, un jour tu viens là et nous fais une résidence artistique. Moi, j'ai envie qu'il nous ait une vision d'un artiste mauricien sur l'Inde d'aujourd'hui. Donc Indianalogue Project, c'est une fusion entre Indien et analogue, analogue qui est la photo argentique, qui moi me travaille seulement en photo argentique. Et voilà, donc je suis là-bas l'année dernière pendant 6 semaines. 6 semaines, je voyage, je fais un peu le tour du nord de l'Inde, c'est-à-dire c'est tout ben gros la ville comme New Delhi, Agra bien sûr, on a le visite Taj Mahal. Après, on fait le tour complètement du Rajasthan, on a Calcutta parce que fondation là, il est basé à Calcutta. Et après, bon, il y a ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a mon ancêtre qui saute Calcutta, donc c'est la boucle est un peu bouclée. Et après, on finit par Mumbai. Donc déjà, je développe mon film moi-même, donc j'ai l'avantage que je suis capable de faire mon processus de A jusqu'à Z. C'est bien rare qu'il y ait des gens dans l'Inde pour faire une photo noire et blanche de l'Inde, parce que la couleur est plein tank là-bas. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce projet-là. 26 tirages, c'est un peu compliqué parce que je fais pas mal de photos, mais j'ai envie qu'il y ait un Mauricien capable de venir immerser dans sa pays-là, qui est un pays quand même fantastique. Ou un parmi peut-être Banra, bon, bien sûr, encore une ligne mondialement, mais à Maurice, un de Banra, photographe qui en coupe et servit l'argentique. Et voyager justement dans ce mode-là, soyez. Ce pellicule, tout ça là. Bon, pas René longtemps, tu peux dire papa, sinon. Oui. Voilà, qui l'y représentait pour justement. Ben, il est compliqué, il y a une complication en plus, parce que mon voyage au mon film, effectivement, il n'est pas bon quand on passe au mon film dans le scanner, parce qu'il y a une poussée de lumière qui est très très forte. Donc, souvent, j'ai besoin de négocier avec la douane, je ne vais pas passer ça dans le scanner. Mais bon, par contre, sans rentrer dans le côté technique, mais je travaille avec mon film d'une sensibilité de 400 ISO. Qui est capable de passer dans le scanner. Mais si effectivement, je peux travailler avec 3200 ISO, je peux filmer type faire. Et après, c'est vrai que quand je voyage, je suis beaucoup de matériel au moins. Je suis plusieurs. Si je ne peux pas travailler avec une seule caméra, si ma caméra n'est pas morte. Je suis beaucoup de caméras, plusieurs caméras avec moi. Je suis beaucoup de films. Je suis une grosse valise bien lourde à voyager.
Et aussi, ce qui est bien connu dans analogique, c'est qu'il ne ben, pas trouver ce qu'il faut faire. Donc, vous faites une photo, vous ne connaissez pas si photo-là, bon, mauvais, vous ne connaissez pas. Donc, loin de voyage, comme ça, quand vous voyage pendant 6 semaines, il faut dire comme vous rentre Maurice, qui moi, développe en chambre noire, moment de film. Donc, c'est-à-dire qu'il me trouve moment d'image à peu près 8 semaines après, presque 2 mois après le voyage. C'est une méthode qui est complètement différente, mais il est pas mal aussi parce que vous faites un deuxième voyage. Je veux bien qu'on a cette approche-là parce que c'est une approche pour moi qui reste bien encore humain. Humain, c'est-à-dire que je peux faire mal l'erreur. Donc, même quand je développe mon film aussi, je peux faire mal l'erreur. C'est cet aspect-là. Après, il y a un côté palpable. Et comment vous dire, vraiment, il y a un stress. Parce que si moi, pendant 6 semaines, je regarde mon film, demain, je perds mon valise qui arrive. C'est plus de l'aventure. Est-ce que c'était vraiment une première rencontre photographique avec Len? La première rencontre. Bon, Aster, en tant que Mauricien, quand nous arrivons là, c'est pas comme on dit, nous, Européens, nous arrivons là, parce que nous retrouvons, nous sommes repères, nous pouvons retrouver des affaires qui nous connaissent, la musique, des fêtes, etc. Donc, c'est pas un choc culturel comme un Européen ou un Américain débarque là, arrive là, capable de gagner. Comme on débarque New Delhi, c'est la ville qui a à peu près la taille de Maurice, mais il a. Officiellement, on a 35 millions d'habitants, donc vous trouvez. Donc, densité très forte, c'est un gros gros la ville, beaucoup d'auto, beaucoup de trafic, beaucoup de tapas, beaucoup de bruit. Et disons que ça tapas, pendant 6 semaines, mon gars, ça tapas là. Dans mon tête, seul endroit de l'Inde que je peux gagner un tapas, c'est comme on a fait une photo dans le désert. C'est le désert du Tarn qui est à côté avec la frontière pakistanaise. C'est seul endroit que. Bah, ça, ce mouvement-là, cette densité-là, bon, il ne reste 15 minutes à peu près, silence, hein, parce qu'après, un loto, il débarque avec un Indien, il commence à mettre Bollywood, il commence à chanter, faire selfie, etc. Donc, dans 6 semaines, il y a 15 minutes de silence. Là où débarque là-bas, est-ce qu'il nous submergeait par quantité d'affaires, quantité de cisées qui poucavent potentiellement, non? Ou bien aussi des années qui plongent dans la tête? Dans mon mois, allez, moi, c'est étudié dans quel endroit je peux aller, qui est l'endroit intéressant. Après, je peux vraiment scénario. Quand moi, allez, je m'en et c'est au fil des rencontres que je peux trouver un dimoun, je peux causer un je trouver une situation. Qui peut faire une photo, mais non, effectivement, il n'y a rien de planifié. Il n'y a pas de partout. Pour moi, n'importe qui a fait, un petit enfant, il peut jouer, un peut nourrir le canard, un petit peu de train. Pour moi, tout sujet est intéressant à exploiter, ou en tout cas, à trouver. Un film, il a 36 poses, donc c'est pas dire, pas qu'à venir, il y a 12 photos, 15 photos, aller comme ça même. Dosier avec numérique ou capable de faire 1000 photos dans une journée, c'est facile. Après, vous dites ça qui n'est pas bon, etc. Là, on a juste 36 poses. Ça veut dire que vous êtes concentré bien les photos que vous pouvez faire. Le dilemme de trouver une affaire, est-ce qu'il nous laisse passer? Est-ce qu'il nous. Voilà. Ou bien, est-ce qu'il laisse passer parce qu'il peut-être est mieux à venir? Ou bien. Est-ce qu'une gagne un peu sur un dilemme là sur certains sujets? Oui, mon gagne un dilemme là sur certains sujets, bien sûr. Après, comment vous pouvez dire, donc vous n'êtes pas capable de faire 1000 photos dans la journée ou même 100 photos dans la journée, vous êtes capable de faire peut-être 36, 40 photos maximum. Donc, vous avez besoin de sélectionner vos bandes cisées, en tout cas, qui parle à moi, comment dire, parce qu'après, bandes cisées, effectivement, il y a énormément de sujets vraiment très intéressants. La ville qui beaucoup vient avec moi, c'est Benares, qui appelle Varanasi, qui est une ville sainte pour les Indiens. Et c'est vraiment très intéressant parce que c'est une cité qui a plus de 3000 ans. Et c'est une mosque qui descend dans le Gange.
C'est une ville très spirituelle, côté na beaucoup man la prière, côté man na faire man brille man dimoun kimo, etc. Donc beaucoup de spiritualité, très intéressant comme ville, très spirituelle, très mystique comme on pourrait dire. Je suis dans Rajasthan, je suis à Jaisalmer, c'est ou presque dans le désert, comment dire. Et je me réveille grand matin, je me dis que j'ai envie de faire une photo. Mais je me dis, laisse-moi aller dans un lago de train, bien sûr. Je me dis, là, on a une tasse de monde, donc on a plusieurs cisées pour travailler. Donc je débarque dans ce lago là, lago vide, peine à personne, il y a juste un train pour attendre. Mais je me dis, qui m'a pour faire, je peine à personne pour photographier. Ben, je casse un peu 5 minutes, là je trouve un dimoun qui traverse le rail. Et un dimoun qui est habillé en rose, il tient un sadou, en fait, un vieux sadou, avec ce lamal ferraille, il peut risser, il peut aussi parler que train. Donc malgré le bougla, je me dis, je suis capable de faire une photo. Il dit, oui, fais une photo. Et le bougla, c'est un visage impressionnant, il dit bien bronzé, bien marqué par le soleil, un linge rose là au lit, et ce lisier type vert. Donc, je fais une photo, vous dire moi, effectivement, en noir et blanc, ou pas pour trouver ce man couleur là, mais ce regard type vraiment bien impressionnant. Et beaucoup de monde, m'ont besoin d'emparer dans le désert, m'ont trouvé un dimoun qui venait avec ce samo, m'ont attendu, m'ont causé, m'ont dit oui, m'ont fait une photo, m'ont dit très. Oui, assez facile de faire une photo. Et donc, c'est intéressant parce que je ne connais pas le Samo et le désert dans l'Inde. Donc, bon, après, c'est un vaste pays qui a beaucoup pour développer. Là, disons, dans sa premier voyage, je suis tout concentré dans le nord. Pour ce voyage, je vais plus vers le sud, côté un peu plus de canaux, un peu plus de nature, comment dire, un peu moins de densité aussi. Il y a une seule espèce de contraste qui est quand même assez saisissant, assez intéressant. Et aussi, vous avez le contraste qui c'est un pays qui paie à la modernité très moderne et qui, d'un côté, reste très traditionnel aussi. Donc, on a ce contraste-là qui, tout le temps, a besoin de tradition, modernité, couleur, très riche, très intéressant. En tout cas, pour moi, pour un photographe ou pour un artiste, qui est bien intéressant, il y a beaucoup de sujets. Est-ce que les gens sont faciles d'approche? Est-ce qu'il y a du monde très ouvert pour les autres photographier? Mais bon, moi, disons que mon a plusieurs années de métier, donc il vient un peu dans l'attitude quand on peut venir. Quand je viens avec du monde, je me dis, est-ce qu'il est capable de faire une photo? Il me dit, moi, oui, je peux faire une photo. Ou si je ne suis pas même langage, je peux parler des gestes, je me dis, je peux faire une photo. Il me dit, moi, oui ou non? Si je dis, moi, non, je ne peux pas faire une photo. Si je dis, moi, oui, pas de problème. Mais l'Inde, non, c'est très facile pour faire une photo. Déjà, quand vous baladez dans l'Inde, tout le monde a un Indien qui m'a dit, nous allons faire une selfie ensemble, on a 400 selfies dans l'Inde là-bas. Et non, sans problème, très facile. Et après, c'est un gros avantage, c'est que quand on va dans l'Inde, tout le monde dit, where you come from? Quand on dit Mauritius, banco, là, Marie content, Maurice, tout le monde connaît Maurice là-bas, je suis posé, parce que. Cinéma Bollywood, on a beaucoup filmé des rôles Maurice, etc. Ou Van Stav, une santé ici. Donc vous êtes bien content, Maurice, il est ouvert à vous, beaucoup la route quand vous êtes depuis Maurice. Il y a beaucoup de formats portraits, donc on choisit pour travailler. Alors peut-être c'est la sélection qui est comme ça. C'est comme une finie sélection qui m'a trouvé, mais qui 90% lié en portrait. Et une petite section de paysage, mon a à peu près le 26, on a à peu près 3 en paysage, mais tout le reste en portrait. Alors, moi, je dis qui m'a bien content dans mon bande de photos, bien rare qu'il m'a fait un paysage, que de peine à du monde. Donc,
de mon paysage que tu as dit, je crois que tu as un portrait, il est plus facile de travailler en portrait qu'en paysage. Donc c'est peut-être un peu ça, et non, c'est pas fait exprès. C'est tout qui, quand vous faites mon pauvreté, vous êtes tous nos caméras, donc ce qui n'est pas logique non plus, mais apparemment, c'est mon format qui me travaille. Donc aujourd'hui, qui me peut exposer, c'est 26 photos. Mon travail est en mon grand format, c'est-à-dire il fait 90 cm par 60 cm. C'est mon format qui moi me content. Je suis content de mon photo. Si je suis capable, je suis quand même pris un peu plus grand que ça. Parlez aussi une lentille fétiche. Je suis bien content de travailler en 35 mm. 35 mm, c'est le format qui est un peu plus, le plus proche de la vision humaine. Okay? Mais l'autre série que je travaille en un an, je travaille en 27 mm. C'est-à-dire que c'est un grand format. C'est un grand angle, on appelle ça. Et il est intéressant parce qu'il est capable de prendre un personnage-là aussi, il est capable de prendre tout ce qu'il y a autour. Et c'est tout dans mon disons, comme je peux faire photo, je fais beaucoup de street photographie. Et quand vous faites street photographie, ben vous avez un peu de recul pour faire mon photo de 10 moun. Et comme mon lari là, c'est un peu petit, et mon moto peut passer, un vaste peut passer par ici. Le grand angle est bien intéressant là. Ça veut dire qu'il m'a besoin moins de recul, mais il m'a besoin plus une photo plus large. L'image est aussi accompagnée de ma petite légende, Laurent Cortel. Et les images, en général, les images, ils parlent de lui-même, hein, ils n'ont pas besoin de beaucoup de commentaires, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais toi, tu connais cette histoire-là, mais raconte-nous un peu cette histoire-là. » Donc, chaque image est mon dire quand il était dans quelle ville, quelle période, je fais ça, et je fais un court petit résumé d'un texte en français et en anglais, et après, une situation géographique là aussi, code feu de la haine tirée. Bon, chaque photo a ses histoires, mais disons, ça c'est des photos en particulier qui ne m'ont rien intéressant. Ça c'est les passes New Delhi. Au fait, c'est un moment premier photo qui m'a fait quand moi arrivé. Et moi aussi côté Redford, qui est un bâtiment historique, et on a beaucoup de touristes, beaucoup d'Indiens qui viennent visiter. Et donc là, moi, c'est là aussi, mais il me trouve un vieil ambassadeur, un vieil ambassadeur avec un site qui peut dormir là-dedans. Donc, mon petit mari a envie de prendre sa photo là. C'est tout qui vous bien connaît qui délit maintenant très très sévère au niveau de la pollution. C'est-à-dire que l'auto qui n'a plus de 10 ans pas capable de rester sur la route. Donc, croiser un ambassadeur dans délit, mon dos, c'est un auto comme ça. Donc, on prend sa photo là, Michel, là, tu peux dormir. Et la deuxième photo qui m'a capable d'expliquer aussi, qui s'appelle Panier Garni, ça il déroule Calcutta. Et moi, j'ai un camarade photographe là-bas qui m'amène moi visiter un marché de légumes, un marché en gros. C'est un marché qui est énorme, avec plusieurs kilomètres. Les bazars là où rentrer, mais chaque côté, il y a souvent marché en légumes, souvent marché en bread, souvent marché en il y a un tas d'odeurs, un tas de marchés intéressants. Et quand je sorti de là, je trouve un petit garçon qui peut dormir dans un panier. Je ne sais pas qui était sous-sous. Donc, il y a beaucoup de tapas autour. Et il m'a rien intéressant, tout ça, petit garçon qui peut dormir dans ce panier, alors qu'il est autour. Il y a un monde complètement en mouvement avec des tapas, du monde, des soyeux, des légumes, etc. Donc, ça, c'est une photo qui est bien intéressante à faire. Quoi. Alors, il y a une photo avec un signe. Alors oui, il y a un signe, un lac. Alors, ce qui est bien intéressant, l'un qui m'a remarqué, c'est la relation indienne avec les animaux. Le rapport avec les animaux, c'est très, très intéressant. Bien sûr, la vache que vous pourrez trouver un peu partout, pas mal dans grand la ville, hein, surtout dans petit la ville. Dans grand la ville, je suppose, il y a interdit aujourd'hui. Le rapport avec les animaux, c'est beaucoup de respect pour les animaux. Ouais, c'est bien intéressant pour nous, bien sûr, les éléphants aussi. Les villages qui sont pas très loin avec la nature. Il y a les antilopes qui sont
qui dit près, m'a dit, moi, partout, ils n'ont pas embêté, ils n'ont rien. Exactement. Alors ça, c'est pas trop habitué, peut-être à une époque nous tiens Nora, mais. Oui, ben Maurice, moi assez vieux pour me rappeler encore, je suis Dobie Gate la rivière et ça c'est appelle ça Dobie Gate, au centre de Mumbai, c'est extraordinaire pour le visiter parce que tous les jours ça m'en dit mon langue, je travaille, je peux recevoir millions de vêtements, je peux laver à la main, mettre les secs et extraordinaire, c'est une espèce de fourmilière et ça l'est mort, c'est depuis tous les jours. Et ça m'a dit moun qui occupe ça m'a dit Dobie là, c'est une catégorie de moun qui peut faire ça de père en fils depuis 300 ans de faire ça. Et il est assez fantastique parce que vous mettez dans la vie ultra moderne et vous pouvez trouver du moun qui peut encore lave linge à la main. Et après, ce qui est fantastique là-dedans, c'est que ça m'a dit moun qui zère ça m'a dit linge là. Mais il n'y a aucun computer, il n'y a aucun barcode, tout dans la tête même qu'ils ont pu gérer là. Et c'est dans New Delhi, c'est une forme, on est plus rappel qu'il faut. Alors c'est assez intéressant parce que New Delhi, c'est une grande ville qui a un tas d'auto partout. Et au milieu de la ville là, où il y a une espèce de grand parc magnifique, où il y a des écureuils, des oiseaux partout. Et tu as donc un petit peu visite sa forme là. Et moi, j'appelle le gardien du temple. Donc, là pour nettoyer, donc nous recyclons, un peu, explique-moi que temple-là qui était. Et effectivement, vous trouvez une thalassène dans l'entrée. Donc, je ne sais pas si vous comprenez qui fait la scène là, c'est la scène. Et là, il explique-moi, il dit, non, la scène là, c'est pour empêcher un pigeon rentrer dans mon bâtiment là. Déjà, on a invité par la Basu Foundation for Arts, qui est basée à Calcutta, qui est une fondation qui est bien content de trouver un artiste qui sort de l'extérieur, qui fait un échange artistique. Donc ça, à la base, c'était vraiment intéressant parce qu'il nous ouvre beaucoup la porte sur l'Inde. Et après, ben oui, après, ici, on a un grand soutien pour mon partenaire, qui m'ont algué pour parce que c'est un projet qui coûte cher, c'est un projet qui coûte cher pour développer parce qu'en final, qui m'ont envie, de faire une exposition quand même de qualité pour les Mauriciens, pour les vignes, pour les immers dans sa laine là qui sa côté artistique là qui m'ont envie de développer et mon gars vraiment très bon soutien de mon partenaire qui comprend mon démarche, qui soutient moi et qui t'y porte quand même sur l'aventure, et heureusement. Vision monochrome d'un photographe qui persiste dans l'argentique, Indianalogue de Kevan Kadinouche, prenait donc fin le 1er mai 2024. Cette collection d'images poursuit encore son cheminement. Aux dernières nouvelles, The Indianalogue Project a été sélectionné par José Pinheiro, curateur et éditeur de la plateforme Photographic Mercadillo. Cette plateforme est reconnue pour le partage d'œuvres photographiques inspirantes. Les photos sont donc visibles sur le site Facebook de Photographic Mercadillo, sur l'album dédié à Kevan Kadinouche. Vous pouvez également suivre l'actualité de Kevan Kadinouche sur son site kevanphotography.com. Point final à cette édition, on se retrouve bientôt, restez en ligne. Thank you.